La voilà sans toi, mais avec moi, un peu facile, c'est vrai. Mais comment résister au jeu de mots, comme à cette nouvelle version de l'Audi R8? La voilà donc Speeder, pourquoi pas appeler araignée sur ce segment, j'ose dire fermé, des supercars découvrables. Avant même d'en évoquer les lignes, difficile de résister à l'appel de son V10 atmosphérique 5,2 litres injection directe qui la propulse telle une fusée entre deux virages de l'Everest dans des accélérations atteignant, ça va sans dire, les sommets. Logique, avec 525 chevaux à 8000 tours minute, une cavalerie capable de passer sans sourciller sur la chaussée grâce au célèbre système Quattro, un 30 ans d'âge à déguster sans modération. Il ne faut pas non plus exagérer, la bête est capable de vous rappeler à l'ordre quand vous jouez sans le fil et des assistances en tout genre. Son rauque en bas, comme un 5 cylindres, puis une première poussée dès l'ouverture complète des papillons, doublée d'un feulement plus aigu avant le largage, vers 6000 tours minute du troisième étage, accompagné de miaulements de folie. L'R8 vous emporte, vous séduit sans se laisser faire facilement. Au début, on se force pour titiller la zone rouge sur les rapports intermédiaires. Petite pause au bord de l'eau pour cette R8, aux lignes toujours aussi séduisantes, née coupée en 2007. Elle n'a pas pris une ride, possède toujours ce mélange de bestialité et d'élégance passant dans son regard de félin. De coupé à Speeder, cette version V10 perd l'originalité de ses fameux side blades et reçoit un couvre-capote en carbone s'il vous plaît, doté d'une aération du plus bel effet course. Admirez la cinématique de la capote. Finition parfaite pour un habitacle qui annonce la couleur. Notez la grille de la boîte manuelle qui répond à l'adage « plus de grille alu sur une Ferrari, mais dans une Audi, oui ». Carbone et cuir sont au menu. Avec la capote, le son du moteur est moins présent que sur le coupé, mais il suffit de baisser la mini-vitre de custode pour qu'il s'engouffre dans l'habitacle, un pur bonheur. Gardons la comparaison avec le coupé pour signaler qu'à grand renfort de carbone ou d'aluminium, le Speeder n'affiche un surpoids que de 100 kg, soit 1720 au pesage. Précisons-le tout de suite, le fauve Keller 8 n'est pas forcément à l'aise sur ce genre de route, mais s'offrir le Turini en fait ressortir son atout maître, son efficacité doublée d'une certaine facilité. Les freins céramiques en option répondent présents en permanence et sont presque trop mordants à basse vitesse. L'embrayage est d'une douceur remarquable, il faut en revanche rouler bon train pour assurer son talon pointe et le passage des rapports sans à-coup. Pour qui ne veut pas jouer les pilotes de course à longueur de voyage, la boîte mécanique préférée des puristes détériore le confort. Autant lui préférer la version séquentielle. Dernière info à vous faire découvrir, le tarif débute à 162 300 euros. Bon sang, plus que 160 000 à trouver.